Bonjour et bienvenue sur Atelier Life France. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une session avec Olesha. Bonjour Olesha. Salut, bonjour. Bonjour à Aujourd'hui, tous. on va faire une session sur Photoshop. On va préparer des fichiers pour la risographie. Et Olesha, c'est la première fois que tu viens sur Adobe Live. Alors, j'ai essayé de dire ton nom de famille hier. Je suis désolée, je n'ai pas réussi convenablement. Ouais, moi je vais dire, c'est Choukina. Chikina. Olesha Choukina. Chikina, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton travail pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui. Alors, je m'appelle Olesia, je suis une Russe, je viens de Russie et j'habite en France, ça fait 12 ans. Je suis venue ici pour faire mes études en animation dans une école qui s'appelle La Poudrière, c'est à Valence, dans le sud. Et depuis, je travaille dans l'animation, je fais des films, je les réalise. Et en plus, je fais des illustrations. J'ai commencé, ça fait déjà un bon moment. Ici, il y a quelques projets que je fais. Wow. J'ai Comme vous pouvez voir, j'aime bien. Ah oui, la ma tasse. petite tasse sponsorisée pour ce pour stream. J'aime bien des formes géométriques. J'aime bien des couleurs plates. J'aime bien les couleurs flashy. J'aime bien aussi d'ajouter des textures. Je vais peut-être vous montrer un des Vas-y, vas-y. projets. Celui-là. Pourquoi pas? Ce sont des illustrations que je fais pour. Ah oui, mon internet, elle est un peu pas C'est le très suspense, rapide. c'est le suspense, c'est pour Oui. que les gens puissent attendre un peu. Oui, ce sont des petites illustrations vignettes pour le magazine qui s'appelle Graou. J'aime beaucoup. C'est un magazine pour les enfants avec un très beau design. Et moi, j'ai illustré des petits moments de sensation. Quand on peut essayer sentir le monde autour de nous par nos sentiments différents, par le goût, par l'odeur, écouter et tout ça. Et comme je dis, je fais aussi des projets en animation et je vais peut-être parler aussi d'un parce qu'il est assez lié avec le sujet d'aujourd'hui. Oui. C'est un film que j'ai réalisé en 2016. Il s'appelle La Louge. Le design de ce film, en fait, il est très inspiré par la risographie. Il s'agit d'un petit écureuil qui a trouvé la louche. Vous pouvez peut-être plus tard regarder le trailer ou peut-être vous avez vu le film, qui sait. Et en fait, si on parle de ce film, je vais montrer ça. On peut le Ouais. mettre après si tu veux. Oui, peut-être. Le film a commencé en fait avec une carte postale que j'ai imprimée pour envoyer à mes amis et mes parents pour Noël ou la nouvelle année. Et il y avait un petit écureuil qui était au sommet d'une colline ou d'une montagne. Le directeur artistique du studio Союз Мультфильм a vu cette carte que j'ai publiée plus tard sur mon Facebook et il m'a dit: Ah, fais un film avec ce petit écureuil. Et en fait, c'est comme ça que le film a commencé. Et à la fin, je me suis dit que oui, je veux garder cet esprit riso dans le film aussi. Et au final, je pense que j'ai arrivé plutôt bien. On peut voir des petites textures. Et en fait, toute l'animation, c'était fait. Ce n'est pas une vraie risographie. Bien sûr, je n'ai pas imprimé des milliers d'images de mon film. C'était tout fait sur Adobe Animate. Et le rendu du film, je pense, j'avais quelques images. Ah, ça, Oui, c'est les recherches. il y a plein d'images. Je vais juste montrer des images de compositing. À gauche, on peut voir une petite image avec des couleurs très, très, très flashy. C'est comment je l'ai dessinée sur Animate. Et à droite, on peut voir une image avec les couleurs finalisées. Et en fait, on peut vraiment voir que ça fait comme si. Oui, comme ça sera mieux. Alors, ici, on peut vraiment voir que c'est tout vectoriel, tout plat. Et ça, c'est l'image finale. Et vous pouvez voir que c'est vraiment comme un réseau où il y a deux couleurs différentes qui sont placées un sur l'autre.
Il y a un petit décalage assez joli que je trouve. Et tout ça, c'était fait sur After, avec des effets, des scripts qu'un ami à moi m'a aidé à écrire. Et comme ça, j'avais pas besoin de tout imprimer sur réseau et j'ai pu juste imiter cet effet. C'est génial. Mais je crois, sans avoir réalisé la vraie carte avec l'écureuil, j'aurais pas pu de faire le film si fidèle à l'isographie. T'aurais pas eu cette idée de le faire, en tout cas, avec cette impression, quoi. Ça aussi. Et oui, je pense ça montre aussi comment on peut briser les effets numériques avec des effets numériques. Et avoir l'image qui est beaucoup plus touchante, beaucoup plus vif Ouais. et un peu cassée, on peut dire. Ouais, bah, en vrai, c'est vrai. Enfin, moi, je me suis dit que tu avais tout fait sur Photoshop à la main, quoi, tu vois. Ouais, mais non. Ah, c'est ça qui est fou. Tu veux nous montrer. Je vais juste dire bonjour aux gens qui sont dans le chat, parce que j'ai vu qu'il y avait Clémentine. Bonjour Clémentine, Thomas, Ah Alice, oui. Gérard, Benjamin, Julien. Oui. Si vous êtes sur YouTube, passez sur Beyond pour qu'on puisse voir vos profils. C'est toujours très, très cool. On a Gérald qui dit que l'effet est très réussi. Ouais, c'est vraiment Oh, hyper merci. impressionnant. C'est top, quoi. Tu peux nous le Ouais. montrer si tu veux juste baisser un tout petit peu le son de la Vimeo, enfin de la barre directement sur Vimeo. Ah, si, tu veux dire montrer sur le Vimeo comment ça s'appelle? Non, le son. Ah, qu'est-ce que c'est le son? Le son? Le volume de la vidéo sur Vimeo. Celui-là, ouais, à gauche. Ouais. Ça? Non, celui de l'autre côté. Attends. Bah, mets-le en grand, sinon on va juste pas parler pendant que tu l'allais, pendant que tu Ah, l'allais. tu veux dire le lancer et parler, c'est ça? Non, justement, le lancer et baisser le son. Mais vas-y, lance-le, t'inquiète Ouais, pas. attends, je lance et je vais essayer de trouver où il est le son, mais en fait, je ne le vois pas. Bon, bah laisse-le, t'inquiète pas. Peut-être il n'y aura pas de son. Ah, t'as pas de son? Ah, si, Bon. en fait, elle n'est pas très forte. Alors, Bon, bah laisse. ah, en fait, il n'y aura pas parce que j'ai des écouteurs. Alors, ça va. C'est que moi Ah. qui peux écouter. Bon, désolé, vous pouvez voir, ça, c'est qu'un trailer. Mais je pense que ça montre aussi que voilà, c'est un réseau qui bouge. C'est vraiment trop cool. Je vais le mettre aussi dans le chat directement. Comme ça, les gens peuvent aller voir. Hop, je vais le Ouais. mettre sur Beyond. Hop là. Je l'ai mis sur Beyond. Si vous pouvez prendre le lien. Comme ça. Ouais, Ah oui. d'ailleurs, sur After, on a pu aussi même casser les. Comment dire? Les contours, parce que comme je dis, tout était très, très, très vectoriel. Comment je sais ça? Et même les contours de forme, c'était aussi cassé un peu, fait pas si lisse. Ouais, c'est aussi un effet. Ah ouais, c'est incroyable. Tu veux nous Ouais, donc. montrer un autre projet en animation? Oui, ah d'ailleurs, en fait, je voulais aussi montrer cette image-là. Je pense qu'elle explique bien qu'est-ce que c'est aussi la rhizographie. Et le principe de rhizographie, en fait, c'est quand on imprime une couleur et après on imprime une autre couleur sur le même papier. Et les deux couleurs, quand ils se mélangent, ils créent une couleur en plus. C'est tout qu'on connaît, je pense, depuis l'enfance, que quand on mélange le jaune et le bleu, on peut avoir le vert. Ouais. Et quand on mélange le bleu et le rouge, qui sont les couleurs de côté de Ah, cercle et de oui, couleurs, les deux voilà, couleurs. qui sont opposées, du coup, Ouais. on peut avoir une sorte de noir qui n'est pas vraiment noir, mais il est assez sombre. Et c'est pour ça que le bleu et le rouge, ils sont bien à utiliser pour les réseaux, par exemple, parce qu'on peut avoir une couleur très, très contrastée en plus. Et comme ici, on peut voir, par exemple, pour cette carte postale, oui, il y a un petit sketch à gauche. C'est comment c'est commencé. J'ai vraiment fait ça sur papier avec voilà, la couleur bleue du crayon et le rouge. Et puis, je l'ai redessiné sur Photoshop séparément et avec un effet de multiplication. Je pense que ça s'appelle. Ah non! Le produit. En français, Le ça s'appelle produit, produit. ouais, En anglais, non. ça s'appelle. Non, c'est pareil. Désolée, mon Photoshop, il est en anglais. Moi, je Mais traduirai. je pense oui, on va trouver le moyen pour que tout le monde comprenne. Et voilà, et comme ça, l'image toute à droite, en fait, c'est quand on met le bleu et le rouge ensemble.
Et depuis cette carte-là, j'ai fait pas mal d'autres cartes postales aussi. Je ne sais pas si on peut les voir. Vas-y, vas-y. En grand. Ouais. Ce sont des cartes ouais, qui sont faites aussi avec deux couleurs, le rouge et le bleu. J'aime bien cette combinaison. Ah oui, donc en fait, il n'y a pas du tout de noir, quoi. Le noir, il est fait par l'accumulation du rouge et du bleu. C'est ça. Et je pense qu'on va assez bien ici sur cette carte avec un grand ours. Ouais. C'est que ce couleur sombre qui fait presque noir, en fait, c'est, voilà, c'est ce bleu et rouge. Wow. Un petit nez rouge. Ah, c'est trop chaud. Ouais. On a Gérald qui demande si c'est très proche de la sérigraphie. Oui, c'est assez proche de sérigraphie parce que quand on fait la sérigraphie, c'est pareil, on peut imprimer une couleur sur l'autre et avoir des couleurs en plus. En fait, toutes ces techniques, pour moi, elles viennent de techniques comme la gravure sur le bois ou la gravure de lino. Ouais, la linogravure. Parce que ça signifie qu'on crée une forme qu'on peut multiplier plein de fois et on peut mettre, on peut utiliser plusieurs formes avec des couleurs différentes et comme ça avoir des couleurs en plus. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pratiqué et que j'aime bien faire. Et la différence avec rhizographie, c'est que quand on fait sérigraphie, c'est vraiment souvent à la main. On met vraiment la peinture sur la forme. Et on fait à la main. Tu racles. Je ne suis pas sûre qu'il y a des machines qui existent. Et rhizographie, c'est vraiment comme une machine qui fait des copies des images. C'est comme une copieuse en couleur. Mais car elle n'est pas parfaite et les couleurs ne se mettent pas parfaitement, il y a des petites imperfections de graines qui apparaissent. Et c'est assez joli. Et comme je dis, souvent, ils ne se posent pas parfaitement non plus. Et pareil, ça crée un effet assez joli, je trouve. Oui, c'est ça. Et la dernière fois, on m'a dit que pour la sérigraphie aussi, tout ce qui était les grains, ça passait moins bien que la rhizographie. Oui, ça aussi. Parce que pour la sérigraphie, c'est un tissu en laine, je pense. En tout cas, c'est un tissu où on met le couleur. Le couleur passe, je pense, il est un peu moins sensible à tous les dégradés. Et avec le réseau, on peut vraiment utiliser un peu comme les dégradés des couleurs. Je vais montrer un projet. Je fais illustration pour une magazine bilingue qui s'appelle Grilled Cheese. C'est une magazine canadien. Et il est imprimé en réseau. Ah ouais. Ouais, complètement. Et chaque fois, ils choisissent deux couleurs. Et voilà, ça, c'était une illustration... Ici, on peut voir que j'avais des dégradés, des queues de couleurs, ce bleu et ce jaune. Et après, toutes les couleurs un peu pâles, en fait, c'est le pourcentage du couleur principale qui était baissé. Et comme ça, on peut avoir... voilà, ici, on peut voir. Ah, donc là, c'est le... Ça, c'est, voilà, c'est la version fichier. Digitale, ouais. Le fichier, et ça, c'est la version imprimée. Wow. En général, qui dit c'est une couleur, une couche. En fait, dans les deux, de toute façon, c'est une couleur, une couche. C'est juste la différence de rendu, en fait, qui va être... Est-ce que tu peux faire, en fait. Ouais, je vais peut-être montrer aussi... Ça rend super bien. Les fichiers. Ça, ce sont les fichiers qu'on prépare pour la rhizographie. En fait, au final, même si les couleurs sont imprimées... bleu ou jaune ou rouge ou pink ou n'importe quelle couleur. Les fichiers qu'on prépare, c'est quand même le noir. Et après, si on veut avoir les dégradés, c'est-à-dire ce sera noir, gris, gris pâle, gris beaucoup plus pâle. Moi, je préfère avoir des couleurs très, très flashy, saturées. Ouais. Et c'est pour ça que, en fait, ici, on ne voit pas des dégradés du tout. Ça c'était, voilà, ça, c'était rouge, par exemple, on peut voir avec cette carte que je montre. Alors, ce renard sur ma carte, en fait, c'est ici. Ouais. Et ça, c'est rouge. Ça, c'est bleu. Ah oui, donc tout le fond est en bleu et il y a le... Oui, et ça, c'est au final, en fait. Ça, c'est le fichier que j'ai envoyé en plus pour les imprimeurs
pour qu'ils peuvent voir qu'est-ce que je veux avoir à la fin. Et pour être sûr qu'ils ne se trompent pas avec ce fichier, ce fichier, qu'à la fin, entre les deux noirs qu'il y en a, ils peuvent arriver à ça. En fait, c'est une logique dans la façon dont tu crées tes fichiers. C'est ça. Qui est différente, en fait. Qui est assez différente, oui. Il y a des moyens d'utiliser plusieurs fichiers, mais à la fin, il faut quand même arriver d'avoir... pas les fichiers, les calques. Plusieurs calques à la fin. Et après, quand même, il faut arriver à 2-3 calques. Ça dépend combien de couleurs vous voulez utiliser. Par exemple, aujourd'hui, on va utiliser 3 couleurs. Oh, pendant qu'ici, il n'y a que 2. Ouais. Je vais expliquer. Vas-y. Qu'est-ce que tu as préparé ? C'est ça la question. Oui, pour aujourd'hui, en fait, j'ai préparé aussi un projet de carte postale. Et je vais vous montrer les croquis. En fait, souvent, quand je commence à faire un projet, c'est juste que je fais des croquis dans mon carnet. Et j'aime bien la pratique, en fait, de faire les dessins dans les carnets. Et d'un côté, j'ai des sketchbooks où je juste fais des images d'observation ou des images un peu finalisées. Je vais vous montrer peut-être aussi. Vas-y. Comme ici, ça, c'est un grand sketchbook. Par exemple, voilà, certaines images, elles sont assez finalisées. Ah ouais, donc ça, c'est des choses que tu vas faire... Non, c'est pas aujourd'hui, c'est juste que je montre... voilà, ouais. C'est un peu sketchbook avec des images finalisées. Et après, j'ai des petits sketchbooks, comme par exemple celui-là, bien usé, où j'ai juste écrit des idées, où je fais des petits dessins. Et par exemple, la carte postale qu'on va faire aujourd'hui, j'ai dessiné il y a déjà un bon moment, et voilà, le petit croquis, il était juste dans ce carnet, comme ça. Et je me suis dit que je vais faire une série des cartes postales avec des chats. Il y avait ça aussi, comme des croquis. Ah, trop bien. Oui, des petites croquis ici. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Enfin, en tout cas, je les vois. Si vous ne les voyez pas dans le chat, dites-nous. Oui, désolée que c'est assez petite. Et en fait, j'ai déjà commencé à faire cette série. Je vais montrer des cartes que j'ai déjà faites. C'est ça que j'ai déjà fait. Alors, Là, il y a 3 couleurs. Ouais, d'accord. Oui, il y a 3 couleurs. Et ça, c'est aussi... j'ai fait déjà des illustrations à la sérigraphie, risographie en 3 couleurs, mais je ne l'ai jamais imprimé. Alors, ce sera la première fois pour moi. Et vous voyez, ça, c'était le croquis. Ça, c'est l'illustration finale. Il y a le deuxième comme ça, avec le chat. Ça, c'est pas la bonne. Oups. Et il y a ça. Alors maintenant, il faut savoir, c'est ça la question, je vais essayer avec le chat, est-ce qu'on peut deviner les couleurs ? Ne dis rien, il faut deviner les couleurs que Olisha a utilisées. Moi, j'ai une petite idée, mais franchement, je ne suis pas sûre. Est-ce que tu peux remettre la première avec les chats ? Ouais, avec les chats, attends. Ouais, parce que je pense que c'est celle où il y a le plus... Mais après, il y a toujours les 3, en fait. Bah ouais, c'est ça. Et ce sont les mêmes 3 couleurs qu'on va aussi utiliser aujourd'hui pour la 4e carte. Oui, je réfléchis toujours par des séries pour imprimer les 4 ensemble, car on imprime souvent sur les grandes feuilles. Et c'est toujours plus intéressant de faire une petite série. Et en général, t'en imprimes combien ? Alors, j'imprime 4 cartes par feuille et j'imprime une centaine. Alors, à la fin, ça va me faire 400 cartes. Que tu vas vendre, donc... vendre, envoyer les deux, oui. Alors, on est à cyan et rouge. Cyan et jaune, pardon. Sachant qu'il y a 3 couleurs. Donc, il y a quelqu'un qui dit bleu, jaune et rouge. Presque. Cyan, magenta, jaune. Oui. Ça, c'est correct. Oui, le rouge, en fait, il est fait avec le jaune et le rose. Donc c'est du rose magenta, quoi. Oui, magenta et jaune, ça donne ce rouge cette montagne volcan. Effectivement. Et donc, la montagne, là, le bleu de la montagne, en fait, c'est du cyan magenta que tu as mis ensemble ou c'est du jaune aussi ?
Il est dans la Attends, montagne. lequel? Dans la montagne. Dans la montagne ici. Ouais. Alors en fait, c'est tout, je pense, c'est tout mélangé. C'est un peu. Alors, ce violet, c'est le bleu et le rose. Et si j'ajoute le jaune, alors ça crée ce couleur le plus Ah, sombre. Je c'est pense que trop c'est ça. bien. Ouais, c'est incroyable. Tu veux Et comme maintenant? ça, j'ai toutes les couleurs. Maintenant, on peut aller dans Photoshop alors, puisqu'on sait les Ouais, couleurs. c'est ça. Alors maintenant, on va faire la quatrième carte. Et comme vous avez vu, tous les chats sont de couleurs différentes. Il y avait des chats bleus, jaunes et blancs. Et pour cette dernière carte, j'avais mon ordinateur et il... C'est pas grave. Ouais, voilà, pour cette dernière carte, les chats, ils seront roses. Ok, C'est pas ça mon cool. idée. Et je vais commencer dès le début. Je me suis dit qu'on va créer le fichier vraiment ensemble. J'ai juste fait la base. Je pense que c'est du Photoshop. Oui. Et en fait, ça, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un fichier. Si je regarde la taille, oui, désolé, ce sera tout en anglais. C'est pas grave, Mais je vais voilà, traduire. la taille de mon fichier, c'est Ah, c'est une carte de carte 105 postale, ouais. par 148 mm et c'est la taille de la carte postale que je veux avoir à la fin. 600 pixels, j'ai mis pour avoir ma carte un peu plus grande au cas où parce que normalement on imprime 300, mais je le dessine toujours un peu plus grand si jamais je peux, je sais pas, l'imprimer un jour plus grand ou qui sait. C'est un peu par la sécurité. Et Oui, alors, au cas où. j'ai ce fichier-là. Et après, je vais l'agrandir un peu plus. Parce que si je veux que ma carte postale, à la fin, n'aura pas de bord ici, il faut vraiment que je prévoie 2 mm en plus de chaque côté. Et ça, j'ajoute ici, c'est... En anglais, c'est canvas size. C'est le plan de travail, si je me souviens bien. Oui, C'est et c'est ça. ce qui est bien qu'ici, il y a relative. Alors, on peut en fait juste ajouter, pas centimètres, mais millimètres. Je vais ajouter 4 mm et ça va me créer des bords de 2 mm de chaque côté. Et voilà. Et en fait, car j'ai déjà mis les lignes bleues qui m'aide, ça va me permettre de faire avec la sélection ici. En fait, j'aime beaucoup les hotkeys. Ah, C'est les raccourcis. les raccourcis, mais en fait, ça c'est M, c'est la sélection. Et normalement, je sélectionne ma zone de la carte et les lignes bleues m'aident de bien choisir la taille et ne pas vraiment calculer parce que ça colle à mes bords. Et je pense que Command Shift I, c'est ouais, c'est inversé. J'ai inversé ma sélection. Normalement, c'est dans la ouais, C'est dans ça, le c'est select select, ouais. sélectionné, il y a inverse en anglais, mais je pense qu'en français, Inverser dans la les sélection. formatés. Oui, c'est Et ça, c'est inverser. pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je veux remplir cette zone sur une calque séparée. Et ça va me permettre de savoir que voilà, ce bord, au final, il sera coupé. Je ne vais pas le voir sur ma carte finalisée. Et je peux, quand je vais travailler, je vais le faire un peu plus transparent. Comme ça ne va pas Te gêner. me gêner, oui, tout à fait, mais je vais savoir quand même que cette zone ne va pas être utilisée. Et alors, je prends mon croquis. En fait, oui, c'est le croquis de mon carnet que j'ai déjà. J'ai fait une photo. Hop là. Oui, je pense qu'on peut le voir. Et oui. Hein, qu'est-ce que c'est? Oui. Et il y a des gens qui scannent leur croquis. Moi, je suis beaucoup plus paresseuse. Je l'ai juste. Tu les prends juste en photo. Je prends une photo. Je vais juste fermer mon internet. Peut-être ça Hop va là. bugger un peu moins. Et voilà, je le mets.
dans mon fichier. Et, ouais. Et après, je juste le mets à la bonne taille. Yes. Pour... ouais. Et je change les niveaux pour ne pas avoir... Ah, on ne veut pas que ça soit trop jaune. Trop jaune et des choses qui me gênent parce que je pense que ça gêne un peu pour la composition. Oui, effectivement, ça... La saturation. Et je vais aussi un peu découper tout ce que je n'ai pas besoin. Je ne veux pas mettre Hello, je vais mettre plutôt Let's Meet. Mm. Et alors, je découpe tout ce que je n'ai pas besoin. Et maintenant, je vais le placer un peu mieux, comme je veux. Et je vais l'étirer aussi un peu. Ah ouais, t'étirer que tu le... Ouais, bah oui. Et il y a aussi ça que j'aime pas trop. Ah, donc tu vas le supprimer. Ah ouais, tu... Je vais le supprimer vite fait. Je vais juste changer un peu la forme en le faisant peut-être. Ouais, c'est juste un croquis en fait. Et alors, je peux faire comme je veux. Juste le finaliser un peu plus. Mmh. Voilà. Et... tout petit peu plus petite. Avec rhizographie, c'est quand même bien d'avoir le croquis plus ou moins finalisé. Parce mmh. qu'après, ce sera un peu difficile d'objet certaines parties. Car on ne dessine pas par les objets, mais on dessine par les couleurs. Ouais, ici, par exemple, si on fait illustration où il y a des objets à part, on peut vraiment faire un dossier, un petit dossier par le personnage et après les juste faire bouger. Ici, ce sera vraiment aller dans la calque, bouger le bout de calque et c'est toujours un peu gênant. C'est et... ça que ouais, moi, j'ai beaucoup de mal à me faire ça, à réfléchir par couleur au lieu que par calque, enfin, au lieu que par objet, ouais. quoi. C'est super dur. Oui, tout à fait. Et je vais juste écrire vite fait Let's Meet à la main. Et je vais le faire bouger et placer dans l'endroit qui me plaise. Peut-être un peu plus petite. C'est quand même très rapide, hein. Genre, t'es hyper efficace parce qu'il y a du croquis, quoi. C'est genre, j'ai scanné. Enfin, je l'ai même pas scanné. Je l'ai pris en photo, genre, flap, flap. C'est bon les ouais. niveaux et c'est nickel quoi. Mais je pense que ça doit nous simplifier la vie le plus possible et juste penser aux choses créatives. Mmh. Et c'est. Oui, en fait, c'est pour ça aussi que les hotkeys, j'ai oublié encore une fois comment tu l'appelais, les raccourcis. Ah, c'est, aussi assez, ouais. c'est aussi assez pratique parce qu'en fait, on ne réfléchit pas où ça se trouve dans le logiciel, mais on peut juste cliquer le bouton et voilà, échanger ouais. L'outil. Ouais, c'est un gain de temps. C'est super pratique sur Photoshop. Mmh. Alors, j'ai deux petites fichiers ici qui font mon croquis. Je vais les mettre ensemble parce que je pense que c'est à peu près bien. Alors, ça, c'est mon frame, je l'appelle. Ouais, le cadre. Le cadre pour la zone. Ça, c'est mon croquis. Normalement, je le fais aussi en transparence assez petite parce que je trouve quand on le voit très bien, ça peut aussi influencer l'illustration finale car on ne voit pas ou on peut penser que c'est comme des contours ou ça peut vraiment nous faire penser que voilà, le dessin, il est comme ça, mais en fait, à la fin, il n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que je le fais très, très transparent et je le mets en produit. Car c'était l'illustration sur le fond blanc, pareil, ça peut influencer nos couleurs. Et je le garde ici. Et après, je crée trois calques. Alors, ce seront mes couleurs. Un, deux, trois. Et tous ces calques-là, il faut aussi mettre un produit. Non, tu pourrais. De base, ouais. Parce que ça va permettre d'avoir cet effet qu'on voit les couleurs qui apparaissent quand on met une calque sur l'autre. Et ça se superpose en fait. C'est ça, oui. Et j'ai trois couleurs que j'utilise ici. Ce sont le jaune, le magenta et le bleu, le cyan. Après, quand on imprime quand je vais imprimer ma carte à la fin, en fait, je vais aller à l'imprimerie
et je vais voir quelles couleurs ils ont. Parce que ça dépend aussi, c'est pas les couleurs que je choisis sur Photoshop qui vont imprimer, en fait elles vont imprimer les couleurs qu'ils ont. Et je vais juste voir dans leur palette s'il y a les trois couleurs qui sont les plus proches de mes couleurs sur Photoshop que j'ai choisies. Alors, j'ai décidé que mes chats seront roses. Ouais. Je suis assez chaotique quand je fais ça. Peut-être il y a une logique. Mais voilà, on commence à dessiner au final. Je vais utiliser une brosse que j'ai déjà fait il y a un bon moment, mais en fait c'est juste une brosse de Photoshop que j'ai un peu changée, et je vais le faire en grand. En fait, si j'approche, on va les voir qu'il n'est pas pardon, il est un peu pas très intense, mais j'aime bien l'effet que ça crée. Ah, et puis les contours de du brush, ouais, sont... Ils sont pas parfaits, et j'aime bien cet effet, et pour cette illustration, je vais l'utiliser. Bon, j'attaque direct. Vas-y. Je vais juste faire... les têtes peut-être un peu plus rondes. Et ça, tu penses que tu vas les animer après? Ah non. Pas cette fois. J'aime bien ce côté un peu rough qu'on va avoir avec sa brosse. Pourquoi ça ne remplit pas? Oui. Des fois, je remplis. Je vais. Oui, je fais toujours la première couche assez vite. J'aime bien aussi qu'on peut utiliser, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est que notre brosse peut devenir un eraser. Ah, la gomme! La gomme, et c'est ici où il y a la mode de notre brosse, en haut. Elle est dans la mode normale, mais en fait, il y a aussi la mode clear, ou peut-être effacée, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais c'est, en tout cas, c'est entre les quatre premiers. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'en direct, c'est la même brosse, mais il est devenu, il peut raser. Ça, et c'est assez pratique parce que souvent, en fait, la gomme, elle n'est pas de la même texture, ou elle n'est pas comme elle était, et ça, j'utilise vraiment beaucoup. Ouais, en général, moi, j'en cherche une autre qui ressemble, et je perds vachement de temps. Ouais, ça peut arriver, alors. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais que je ne connaissais pas. Si quelqu'un dans le chat connaît... Oui, si vous pouvez traduire, si vous pouvez regarder dans votre Photoshop... S'il vous plaît, ouvrez votre Photoshop. Le mien aussi, il est en anglais. On a Mikanke qui est dans le chat. Bonjour Mikanke. Ah, tu utilises aussi Photoshop en anglais? Ouais, je l'ai mis en anglais pour donner mes cours. Ah. Et moi, toi aussi Ah, c'est l'habitude, toi? Non, moi, c'est plus souvent. Ouais, j'ai jamais utilisé Photoshop en russe, je sais pas pourquoi. C'est toujours en anglais. Alors, la chance pour tout le monde, parce que si ce serait en russe, je pense personne ne pourrait comprendre. Ouais, là, on ne pourrait pas faire la traduction aussi facilement, je pense. Ouais. Ah, en fait, il y a encore une chose. Je me suis dit que, car c'est une tasse avec la thé, les chats, ils seront dans cette liquide qui sera très sombre. Et je pense que ce sera le mélange de toutes les couleurs. Alors, je vais déjà remplir tout ça rose. Et je vais retrouver ce couleur. Ah, donc en fait... Ah, ok. Donc, le liquide sera rose, mais en fait, dans les prochaines couches... J'ajoute d'autres couleurs. Sur le liquide, mais pas sur les chats. Ouais, et on va retrouver nos chats un peu plus tard. Désolée, les chats. Ils prennent un bain, c'est pas grave. Oui, ils prennent un bain. Alors, je vais aussi aller sur le jaune. Alors, l'autre sera le jaune. Et ma tasse, elle sera jaune. Et tu mettras du bleu pour le liquide des chats? Oui. On a Thomas qui nous dit que l'anglais nous va très bien. Très bien, merci. Ouais. Merci. Je suis contente. C'est vrai qu'en général,
c'est plus pratique d'avoir Photoshop en anglais, enfin les programmes de la suite Adobe en anglais pour les tutos. Enfin, moi, je trouve. C'est ça, en fait, que mon frère m'a dit aussi, parce que j'ai partagé avec lui mes peurs que voilà, ce sera tout Photoshop en anglais pendant que le vidéo, le live, ce sera en français. Et il m'a dit, mais tous les tutoriels, ils sont normalement en anglais. Mmh. J'ai dit, ah, ok. Ouais. Alors, je fais assez rapidement parce que si jamais je veux changer après les couleurs, c'est bien ne pas aller direct en petit détail. Mmh. Et on retrouve les chats. Oui, on retrouve les chats déjà un peu. Mmh. On le voit mieux. Alors, j'ajoute le troisième couleur, aussi le bleu, pour cette partie. Et comme je dis, voilà, si ce n'est pas parfait, parfait, c'est aussi bien parce que ça fait apparaître d'autres couleurs. Mmh. Bon, vous voyez, j'ai un peu... Je triche encore un peu, mais je vais le faire un peu plus... Ah, en fait, il y a déjà... Oula, oui. Moi aussi. Il y a déjà genre, ce côté imperfection quand ça va être imprimé, mais toi, tu le rajoutes en plus. Je le rajoute en plus, oui. Pour être sûr de l'avoir, quoi. Vraiment, genre... Oui, c'est... je pense que ça fait aussi que c'est un peu plus vintage. Fait maison, quoi. Fait maison, oui. T'as chez toi à faire les 400 cartes à la main. Ouais. D'ailleurs, si quelqu'un sait comment créer... un effet spécial sur Photoshop pour ne pas remplir les zones comme ça. Mmh. Je suis preneuse. Une fois, ouais, j'ai vu un gars, j'ai travaillé sur un studio d'animation, on a fait des décors et c'était sur Photoshop. Oups. Ouais, et il a créé un filtre, ou non, un script, comme une petite. Oui, un petit script et on pouvait juste cliquer sur le bouton et remplir toute la zone sans avoir cette petite chose. Et après, j'ai essayé de refaire le script parce que j'aime bien les scripts, mais je n'ai pas réussi. Ah. Et alors, si quelqu'un sait comment on le fait, partagez. Moi, je peux bien aussi, s'il vous plaît. Alice, on a une Alice qui dit « Je ne connaissais pas non plus l'option effacer du pinceau, je viens de tester, c'est super et très simple à utiliser en fait. » Ouais, c'est oui. Grosse révolution. Hein. Moi aussi, je suis grosse genre « Mais pourquoi je ne savais pas ça quoi ?» enfin... Oui, moi, c'était oui, ça fait pas longtemps, je l'ai découvert aussi, je pense. Ou peut-être c'était le même garçon qui a su comment créer le script. Oh. En fait, il y a quelqu'un qui genre... C'est Dieu de Photoshop qui se balade. C'est ça. Et qui fait des scripts incroyables. Mais... Oui. Malheureusement, j'ai perdu son contact. Ah. C'est pas... On va retrouver. Bon, je fais assez rapidement. On remplit. Je pense que c'est assez... satisfaisant qu'assez rapidement l'image apparaît. Quand on remplit des formes. Donc, et puis au moins, tu le vois direct, quoi, avec ouais. les effets de produit. Genre, si ça marche, bah, tu le ouais, vois. Oui, c'est ça. Voilà, quelque chose apparaît. On va peut-être faire les têtes des chats. Et peut-être aussi un bleu. Mmh. Pour avoir le noir. Ah oui, j'ai rempli tout ça... aussi. C'est du détail là. Oui, ce sont des détails. Mais je les remplis. Alors, on a Gérald qui nous dit quand on vient avec la tolérance du pot de pinceau, je crois qu'il y a moyen d'estomper cet effet. Ah. Pas de ligne en bordure. Donc, il y a peut-être quelque chose dans les réglages, effectivement, tolérance. Il faut essayer, ouais. Faudra essayer. Alors, les yeux. Ah, il dit qu'il faut venir jouer avec la tolérance. Merci, Gérald. Oui, merci. Mais en fait, c'était quelque chose un peu plus compliqué. C'était sélectionner la zone, créer une autre calque, merger les calques ensemble.
je ne peux pas malheureusement le refaire, mais l'option de Gérald, je pense, c'est l'option plus simple et efficace. Ouais. On ne peut pas faire les scripts comme ça. Enfin, en tout cas, on n'est pas à ce niveau-là. Oui, moi... Peut-être un jour. Peut-être un jour. Petit à petit. Je trouve ça, c'est assez bien avec Photoshop, qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau. Attends, j'ai découvert les scripts dans InDesign. J'étais bluffée. J'ai trouvé ça incroyable. J'étais genre, ma vie prend... Je sais pas, il y a quelque chose qui a changé, quoi. Il y a eu un avant et un après. Et je veux les nez jaunes. Alors, je vais supprimer... Une rose. C'est la gestion du blanc qui est compliquée quand on fait des rizos ou des sérigraphies. Ouais. Et je vais ajouter des petites zones jaunes. Gérald nous dit qu'il n'a pas de certitude non plus. Mais nous non plus, Gérald. Tout le monde est dans le même bateau. Il faut que Franck intervienne, mais il n'est pas dispo aujourd'hui. Ah mince. Ouais, well, on lui demandera qui c'est tout. Alors, j'ajoute des petites zones ici pour les oreilles. Désolée, je tombe sur les détails. Je me dis, peut-être toujours ici. Et je peux peut-être déjà enlever ça. Wow. En fait, on dirait du papier découpé limite à cette étape-là. Oui, c'est vrai. C'est vraiment beau, super beau. Oui, encore. Oui, en fait, quand je dessine, c'est plutôt je change mode effacé et mode normal. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est comme ça que ça apparaît. Et après, je saute d'une calque à l'autre. Le danger, c'est de se retrouver sur une fausse calque avec une fausse couleur. Alors, il faut vraiment faire... un peu gaffe pour en fait je vais remettre mon croquis pour faire des moustaches. Ah, alors on a eu des réponses dans le chat. Alors on a sur YouTube, on a Adrien qui nous dit que c'est une action autophile. Autophile. Il l'utilise tous les jours. Et on a Benjamin qui nous dit enregistrer dans le script, sélection, modifier, dilater. Donc, je crois que c'est expand en anglais pour la sélection. Ah oui, et qu'en ça fait... c'est assez proche, ouais. Ouais. Et qu'en fait, comme ça, quand tu fais ta sélection, ça prend un petit peu plus de place, mais tu peux aussi le définir genre à 1 pixel ou 2 pixels. Comme ça, t'as moins en fait les traits. On va essayer les deux. Moi, j'essaierai de mon côté, en tout cas. Oui, moi aussi, je vais essayer. Est-ce que cette information, elle va rester sur chat? Elle ne restera pas, mais je vais faire une capture d'écran pour toi. Parfait, s'il te plaît. Parce que c'est un super tip. Merci, Benjamin. Ouais. Oui, alors, maintenant, j'ai vu en fait que toutes mes moustaches seront violées comme ça. Et alors, je vais ajouter le bleu. Bon, ils ne sont pas violets parce qu'il y a aussi le jaune. Mais peut-être que je vais enlever le jaune. Et peut-être que je vais le même garder, en fait. Ça peut être bien comme ça aussi. Ah, je trouve ça super sympa. Et je vais peut-être ajouter le jaune aussi dans les yeux. Comme ça, ce sont les yeux un peu plus. Alors, c'est plutôt bien. Je vais... peut-être ajouter quelque chose ici pour séparer un peu la manche de ma tasse. C'est lance. Lance. C'est ça. Oups, je me suis trompée de quel. Il y a un petit rôti ici. Ah, il y a un rôti. Vous ne voyez pas, mais en fait, il y a un petit assistant. Bonjour, rôti. Bonjour, rôti. Mais il veut partir. Alors, je vais le laisser partir plus vite. Oups. Roti n'a pas très envie de travailler aujourd'hui. Non, pas d'envie, jamais d'envie de travailler. Roti est retraité, voilà. Retraité, oui.
Ah, donc là, tu vas mettre du bleu, ok. Oui, je vais peut-être rajouter des petits détails ici. Non, j'aime pas. Ça, j'aime pas, j'aime pas. Ça, j'aime pas, mais ça, je vais garder. Et je pense, on peut quand même après travailler sur des petits détails ici, mais je vais le corriger plus tard. Je pense que le principe est à peu près clair. Je vais aussi écrire Let's meet. Et donc ça serait en... En quelle couleur? Peut-être je vais faire. En fait, je vais regarder qu'est-ce que j'en ai Ouais, c'est quoi les autres pour la sur les cohérence? autres. Ouais. Oh, ça rend vraiment cool celui-là, Et il y avec a le le jaune et le blanc bleu. et le jaune. Ça, c'était tout mélangé. C'est juste, j'ai enlevé. C'est vraiment top. Ici, je vais changer en fait les mots. Je me suis dit que ça devient trop gnangnan. Et je vais faire un peu plus neutre. Bon, alors rouge, blanc, enlevé. Ah. Allez, je vais essayer de d'écrire avec le rose et je vais voir. De toute façon, c'est toujours à essayer, réessayer. Et après, effacer ou pas la couleur en dessous, quoi. Oui, alors ça c'est Ouais. trop fine. Donc ça, c'est en rose. Putain, on dirait Oui, c'est vraiment ça pas un du rose. tout, ouais. Oui, je dessine avec le rose. C'est toujours la surprise, quoi. Et pour le coup, quand tu as déjà des illustrations, par exemple, si toi, tu as une illustration que tu as déjà faite et tu penses à la faire en RISO, est-ce que tu préfères recommencer ou tu modifies tout directement dans le fichier? Quel est le plus simple pour toi? Si c'était l'illustration qui n'était pas faite pour l'horizon, peut-être je referais, Ah ouais, à je ce point, pense. Ouais. ouais. Parce que je me suis dit que je peut-être trouverais quelque chose qui apparaîtrait différemment ou que je ferais différemment par rapport à l'illustration que j'ai déjà faite. Ah ouais, que ce soit original, quoi, juste pour la Oui, réseau. et après, je pense aussi la logique comment on utilise les couleurs, c'est aussi un peu différent. Parce que quand on met une couleur sur l'autre, alors il y a d'autres couleurs qui apparaissent. Et quand je fais juste une illustration, je ne réfléchis pas trop sur ce truc, comment les couleurs se mettent un sur l'autre. Je me suis dit que je vais peut-être enlever un des couleurs ici, sur cette zone du T, pour ajouter des petites vagues. Oh. Et je veux que peut-être que les vagues sont soit jaunes, soit rouges. Essaye. Et je vais. Alors pour ça, je pense qu'il faut enlever le bleu. Et je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a des gens dans le chat, est-ce que vous avez déjà fait des risos? Parce que c'est très à la mode depuis un an, 2 ans. Oui, même plus. Mais peut-être oui, les dernières années, c'est vraiment très très la mode. Il y a eu un... Toi, la toute première que tu as fait, c'était quand? 2016, donc? 2015? Oui, je pense que c'était 2015, 2014, Ah ouais. 2014 même. Ah Ouais. ouais. Oui, ça fait un moment. Et à la Déjà. base, t'as eu une formation ou c'était juste... T'as été Non, dans moi le... j'ai regardé sur Internet. Comment faire. Mais avant ça, j'ai expérimenté un peu avec l'alénogravure que j'ai fait à la maison. J'ai fait à la maison. Et le principe, elle est assez proche, c'est juste RISO, c'est sur ordinateur qu'on prépare le fichier, et la linogravure, c'est tout à la main. Ouais. Alors, je pense j'aime plutôt bien ça. C'est trop mignon. Et maintenant, en fait, ce qu'on peut faire, j'enlève à nouveau mon croquis. Peut-être la tête de ce chat, il est un peu trop. Le chat au milieu, il est trop fine. Alors, je vais un tout petit peu ajouter la volume par la couleur. Oups. Alors, on a Yui qui dit qu'il n'en a pas fait et qui capte pas trop le truc pour tout dire. J'aime, j'aime. Il faut pas, c'est une logique qui est un peu compliquée au début.
Oui, je pense que le meilleur, c'est vraiment de commencer à ouvrir le fichier Photoshop et commencer. Et si c'est compliqué, on peut juste prendre le crayon bleu et le crayon rouge et sur le papier, faire un dessin avec le crayon et le crayon rouge et bleu qui peuvent se dépasser. Et comme ça, on comprend que voilà, en fait, on peut, si on met le bleu sur le rouge, en fait, on peut avoir cette troisième couleur. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est moi, j'en ai fait et c'est Olesha qui m'a aidé à faire le fichier parce que je n'arrivais pas. Donc... oui, à la fin, c'est vrai qu'à la fin, ça peut quand même être un peu difficile. Mais c'est pour ça que voilà, le meilleur, c'est juste commencer. C'est peut-être pour ça aussi que c'est plus simple de faire des illustrations qui sont spéciales pour la réseau ou la sérigraphie dans cette même logique. Parce qu'en fait, si... enfin, moi, à chaque fois que j'essaye, en fait, je prends quelque chose qui a déjà été fait à la base et je me dis « Ah, je vais la réadapter », sauf que ce n'est pas du tout la même logistique, en fait. Non, oui. Et enfin, je trouve ça hyper malin que tu, limite, tu le refasses et que tu te dises « Bah voilà, je prends parti du fait que c'est un nouveau médium. Comment ça va changer, en fait, cette illustration directement, quoi ?» Je suis plutôt contente, mais en fait, j'aime bien aussi d'ajouter des petits détails, des fois, avec d'autres brosses. Pour l'instant, j'ai utilisé toujours la même brosse tout le temps. Mais en fait, j'aime bien aussi la brosse pour ajouter un peu de textures. Et je vais, pareil, faire ça avec des couleurs, par exemple... ça qu'on peut faire, je ne sais pas si on va le bien voir sur l'écran, mais par exemple sur le bleu, pareil, j'ai choisi la brosse qui est, comment je montre, oui, je dessine comme ça, très 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 texturé, un peu comme aussi, je ne sais pas comment on peut retrouver la même brosse exacte, parce que je l'ai téléchargée du site de Kyle Webster. Donc, Webster, elle devait être dans les packs. Oui, c'était dans le pack. Ouais. Et je sais qu'après, elle a commencé à travailler pour Photoshop. Adobe. Oui, Adobe. Il travaille pour les Adobe. Il fait des Adobe Live régulièrement sur cette chaîne. Ouais. Ah, cool. Les mercredis, c'est trop cool. Alors, j'aime beaucoup cette brosse. Et celui-là, je vais le mettre un effet aussi effacé un peu. Et je vais un peu effacer certaines zones. Vraiment, je ne suis pas sûre que vous allez même voir parce que c'est très, très on voit. Discrète. Si, on voit. Peut-être un tout petit peu. Et je peux aussi ajouter. Alors, j'ai effacé et après, par exemple, je peux ajouter un peu de bleu sur certaines zones. Ah, même sur le... Ouais. Ouais. Pour, pareil, un peu salir l'image. Alors, on a Gérald qui n'a jamais fait, Alice qui nous dit non, mais ça me donne envie de tester. Et Yves qui dit, j'ai essayé de reproduire le principe sur Fresco et ça me semble assez facile pour comprendre la technique. C'est plus simple quand on fait l'illustration de base. Oui. Alors, je vois ça. Parce que là, en regardant ce live, je me dis, c'est hyper simple, je vais refaire. Et après, quand j'essaierai avec la mienne, je vais l'appeler en pleurant. Donc... c'est vraiment, il faut commencer de base, il faut tout refaire depuis le début en fait. Enfin, c'est ça en fait le truc. Ah, on voit beaucoup, on voit très très bien les détails là. Ouais. Et après, voilà, c'est à jouer où on ajoute un peu plus des imperfections, où on veut avoir l'image un peu plus clean. Il y a plein d'artistes qui travaillent dans les techniques de réseau ou qui font des illustrations même digitales. Qui n'étaient jamais imprimés, mais ils font cet effet réseau. Parce qu'en fait, oui, on peut aller imprimer l'illustration pour de vrai sur le réseau-graphe. Mais en fait, on peut aussi juste faire une illustration digitale et ajouter des textures et avoir l'effet un peu plus réseau. Ça, peut-être, Karina, on a encore le temps ou pas? Oui, on a 5 minutes, si tu veux nous montrer quelque chose. 5 minutes, oui. Je pense vite fait. Non, c'est pas ça. J'ai un fichier. J'ai pas une très bonne texture, mais je pense que ça va montrer un peu le principe, comment ça marche. Bon, ça c'est juste une texture. C'est toi qui l'as faite ? Oui, c'est moi qui l'ai faite. En fait, je pense que c'était juste un bout de papier que j'ai scanné et après j'ai changé les réglages de niveau. Et je vais l'inverser et je vais le juste copier. Et en fait,
Par exemple, je veux l'ajouter sur ma calque bleue. Je vais le mettre ici. Oui. Bon, je vais la tourner. Oui, en fait, c'est un peu la texture que j'utilise souvent, mais chaque fois, à la manière différente. Alors, toute cette zone, en fait, on veut l'utiliser à la mode. En anglais, c'est screen. Pareil. Ça va être écran en français. Écran ou quelque chose comme ça. Et vous voyez, je l'ai mis comme une masque. Mm. Et maintenant, elle apparaît que dans le bleu. Dans la zone bleue. Ça rend super bien. Et bon, normalement, ce serait bien d'avoir trois textures différentes pour qu'ils ne se répètent pas, mais je vais montrer ça juste en déplaçant cette texture un peu pour que les imperfections ne seraient pas dans les mêmes endroits. Et alors, je le fais pour le jaune aussi. Je pense qu'on peut voir déjà que, par exemple, mon thé est devenu beaucoup plus texturé. Ouais, c'est super beau. Et je peux ajouter ça aussi sur ma calque rose. Ça, c'est peut-être un peu trop, mais on verra. Et encore une fois, je vais le tourner. Surtout que rose, elle n'a pas beaucoup, pas partout. Ouais, c'est vraiment top, hein. Et pareil, je peux par exemple changer un peu l'opacité, peut-être comme ça on verra moins ou plus. Parce que souvent, en fait, quand on fait l'illustration, c'est beaucoup sur les nuances. Mmh. Si on garde beaucoup d'effets ou pas trop. Le rose, peut-être, je ne veux pas que ce soit trop fort. Et après, quand tu vas l'exporter pour l'impression, comment tu vas faire avec les calques de fusion, enfin avec les masques? Voilà, en fait, si ça, c'est la version digitale. Mais si je veux ma version pour réseau, ça, je n'aurais pas besoin, je pense, parce que c'est juste des effets visuels. Et chaque calque... Attendez, je vais faire quelque chose que j'aime bien... Je juste fais une copie de l'illustration que je fais dans un dossier. Dans un dossier, oui. Et en fait, il faut chaque zone, couleur par couleur. Voilà, mon couleur rose. Je vais le colorer en noir. Pour colorer en noir le plus vite, parce qu'il faut vraiment que ce soit à la base, ce serait noir pour l'impression. Ici, il y a le lock d'image. C'est un petit carré. Et après, avec l'outil qui s'appelle Rectangle Tool, mais faites attention que ce sera pixel ici et pas shape or pass. Yes. Je peux le colorer en noir. Hop. Et après, je fais l'export. Pareil, vous voyez, j'ai la zone de mon frame. Ouais, le cadre. Le cadre, je l'enlève aussi et je fais export image par image. Alors, chaque calque. Exporter je pense qu'on voit quand même un frame. Je vais juste l'aplatir, je pense. Flatten image. Ok. Et je vais le sauvegarder. Oui, un par un. Et normalement, fichiers pour l'impression, je les mets ensemble sur InDesign, mais je pense que ça peut être fait avec d'autres choses aussi en plus. Mm. Je vais essayer de trouver. Désolée, vous allez voir tout. Non, il faut cacher ça. Non. non, regardez pas. Ne regardez pas. Oui. Alors, ça, c'était rose. Je pense que c'est bien de garder les noms qui sont corrects. Et j'exporte soit TIFF, soit JPEG. Je vais faire peut-être JPEG pour être plus simple. Rose.
tu mets un maximum et voilà. Ouais. Après, je reviens. Alors, ça se fait. Jaune, pareil, il faut que je le fais le lock passe. Ici. Ouais. Je le fais en noir. Ouais, ça rend trop bien quand même. C'est vraiment très cool. Je le aplatis. Et je l'exporte. Jaune. On arrive à la fin. Est-ce que tu veux... Oui. J'ai le temps pour faire le tout dernier ou il n'y a pas de temps? T'as le temps. T'as deux minutes, quoi. Deux minutes, ok. Voilà. Et mon dernière couleur On voit les traces de la texture sur le bleu. Oui, tout d'un coup, bien. On voit un peu plus. Bon, on voit aussi les imperfections de mon illustration, mais voilà, avec le temps qu'on avait, je pense que c'est quand même bien. Ouais. Et bleu, je pense, c'est le dernier. Ouais, c'est ça. Ok, et maintenant, si je vais aller dans mon fichier, je vais juste revenir à l'arrière et sauvegarder parce que... Ah non, non plus tard. Voilà, je pense, voilà le bleu, le rose et le jaune. Et le jaune, ouais. Et ce sont les trois fichiers qu'on a besoin normalement pour la raison. Et cool. Par exemple, si ce n'est pas une carte postale, et moi je mets beaucoup de cartes postales, par exemple, vous avez décidé de faire juste un poster. Mm. Dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin de l'InDesign, vous pouvez juste préparer les trois fichiers comme ça. Et je pense que ce sera suffisant pour l'imprimeur pour créer après des... L'assemblage ? Ouais, les calques. Les calques pour l'impression, finalement. Mm. C'est trop voilà. Bien. Tu peux nous remettre l'illustration avec les couleurs ? On peut la revoir ? Oui, on peut la revoir. Pour finir. Ça, j'enlève. Et je mets le groupe. Ouais. Les chats. Elle est très, très belle. Bravo. Merci voilà. Beaucoup. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que ça va aider pour vraiment lancer, faire cette technique. Ouais. Parce qu'il est assez riche, et comme je dis, beaucoup des illustrateurs travaillent avec et chacun a des images très très différentes. En fait, il y a plein de moyens de. Oui, comment l'utiliser pour vos idées, vos propos. D'expérimenter aussi des choses. Expérimenter, oui. Quelle brosse utiliser, ou peut-être c'est même pas la brosse, mais juste la sélection. Je sais qu'il y a des illustrateurs qui dessinent juste avec la sélection et après ils colorent la zone. Ah, comme ça, ouais. C'est vraiment un peu comme le papier découpé. Ouais. De vrai. Ça, c'est incroyable. Bah, en tout cas, c'était super cool. Merci beaucoup. Merci, Lucie. Je vais juste annoncer le programme de la semaine. Alors, demain, on retrouve Studio Zéphyr avec Franck demain matin. Et le jeudi, vendredi, vous aurez Motion Plus Design. Donc, à 10h, ce sera sur la chaîne YouTube. Jeudi, vendredi, à 14h, vous serez avec Franck. Et la semaine prochaine, vous retrouverez le duo d'illustratrices Clémentine et Kiwi Pastèque qui passera lundi prochain. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé. Et puis, j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup, oui. Alicia. C'était super cool. Merci. Et maintenant, j'ai envie de faire de la riso, mais je t'appelle si je pleure. En gros. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bonne journée. Ciao.
Thank you.